Aujourd'hui, la gloire de l'ancienne Égypte n'est plus que ruine et poussière. Et la plus grande des civilisations antiques n'est plus que mystère et obscurité. Ces puissants monuments nous racontent l'histoire d'un peuple qui fut maître du monde, qui créa une civilisation dont la beauté et la splendeur ne furent jamais surpassées. Mais les Égyptiens n'étaient pas que des bâtisseurs. C'étaient des êtres humains semblables à nous. Et ceci est l'histoire d'un homme qui habitait la vallée du Nil il y a 33 siècles. Moi, Sinoué, l'Égyptien, écris ceci, sur le rivage de la mer Rouge, où je suis exilé. Il n'y a pas d'endroit plus désolé sur la terre. Et bientôt, les chacals et les vautours se repaîtront de ma maigre carcasse. Aucun monument ne marquera l'endroit où je reposerai. Et je ne laisserai que ceci, l'histoire de ma vie. J'ai vécu pleinement et profondément. J'ai goûté à la passion, au crime et même au meurtre. C'est à toi de me juger. Il faut que tu pèses le bien et le mal que j'ai fait, ma passion et ma tendresse, mes crimes et mes bienfaits, mes joies et mes souffrances. J'ai commencé ma vie comme je la finis, seul. Je voguais seul sur les flots du Nil, dans un esquif fait de roseaux entrelacés de joncs liés par des nœuds d'oiseleurs. C'est ainsi que la ville de Thèbes se débarrassait habituellement des enfants dont elle ne voulait pas. Dans un bas quartier de la ville, dans la maison de mes parents adoptifs, qui m'avaient sauvé des flots. Celui qui fut un père pour moi était un médecin qui avait consacré sa vie aux pauvres de la ville. Pourtant, il aurait pu se faire payer grassement pour soigner les riches, car il était le seul dans Thèbes à être maître en l'art ancien d'ouvrir les crânes. Verse-moi du vin soporifique. Tu as peur, Sinoué? Bon. Il ne faut pas craindre la mort. Dans notre métier, c'est un compagnon familier. Mais nous l'écarterons cette fois. Regarde, ce petit morceau d'os qui fait pression sur le cerveau. Quand je l'enlèverai, cet homme reparlera, remarchera et vivra. Pourquoi, père? Pourquoi? Personne ne le sait. Dès mon jeune âge, j'aimais la solitude. J'avais l'habitude de me promener seul sur les rives du Nil, jusqu'au jour où l'on me fit entrer à l'école de vie. Dans l'école de vie, l'Égypte éduquait une élite de jeunes gens, des futurs savants, philosophes, hommes d'État et généraux. Toute la science de l'Égypte appartenait à ses prêtres. Je l'ai servi dans le culte des dieux pendant 10 ans,
afin d'obtenir le droit de m'appeler médecin. J'appris à soumettre mon corps, mais ce fut tout. Mon esprit continuait à poser des questions. Pourquoi ? Sinoé, fais attention, les prêtres. Encore du vin ! Emplis ma coupe, ma bien-aimée. Verse encore, verse. À la santé de notre camarade Orémem, la plus fine épée, le meilleur cavalier, le plus fort à la lutte et le plus rapide à la course. Et le premier à vous la prendre. À ta santé ! Bien sûr ! Si vous ne dites pas du bien de vous-même, personne n'en dira pour vous. J'ai appris cela de nos dieux. Bien dit ! On a bu au présent, je propose de boire au futur. Et je fais la promesse de porter un jour le fouet d'or et de vous conduire tous à la bataille. Oh, mais tu ne bois pas, mon ami. Du vin. Il a assez bu. Un ami ne boit jamais trop. Il va finir la nuit dans le ruisseau, la gorge tranchée. Il est sous ma protection. Tiens, à notre futur. À notre futur. À notre futur. Regardez notre brillant physicien. L'étudiant d'honneur. Il a des accès de vertige. Vous courez comme ça, la belle. Trésor du Nil. Je peux t'aider. Ah, je te préviens, laisse mon ami tranquille. Qui est ton ami? Oh, c'est une vraie tête de mule, mais c'est mon ami. Alors il te faut le ramener. Une serveuse de taverne ne donne pas d'ordre au fils du faucon. Et au fils d'un simple fromager, elle en donne. Bonsoir. C'est pas toi la tête de mule. C'est ton ami. Pourquoi ne répondis-tu jamais quand je leur demande pourquoi? On part, allons-y. Comment savait-elle que ton père faisait des fromages? La reine des cités, Thèbes aux 100 portes, capitale du monde. Après avoir réussi mon examen de sortie à l'école de vie, je m'installai comme médecin au bord du fleuve, loin de la maison de mon père, pour ne pas lui prendre ses clients. Mais je découvris que même les malades les plus pauvres refusaient de frapper à la porte d'un médecin aussi jeune. Il fallut que j'aille dans les rues à leur recherche. Pour celui-là. Viens par ici. Allons, mon bras. Assieds-toi. Je pourrais t'aider. Dans certains cas, la cécité peut être guérie par la chirurgie. Hélas, aucun médecin ne me rendra mon œil. Mon premier maître me l'a arraché quand j'ai bu un tonnelet de bière, que j'ai rempli ensuite d'une façon qu'il jugea déplorable. Alors de quoi souffres-tu? Je n'ai rien, je suis aussi vigoureux qu'un hippopotame. Je m'appelle Capta. Et j'ai décidé d'être ton serviteur. Même s'il m'en fallait un, mes moyens m'en empêcheraient. Si je pouvais m'en payer un, je n'emploierais pas un mendiant comme toi. Je ne suis pas bien habillé, mais je suis intelligent, je suis bel homme. Et je sais lire. Oui,
Oui, tu as raison, je ne suis qu'un pauvre serviteur, mais tu n'es qu'un pauvre médecin, tu ne mérites pas mieux. J'obéirai à tes ordres, tu pourras me battre sans exagérer, et en retour, moi je te volerai. Sans exagérer non plus. Alors tu admets que tu es un voleur? Nous le sommes tous, seulement les voleurs malhonnêtes le nient. Je ferai grandir ta réputation, parce qu'on dira qu'il faut que ce soit un grand médecin pour se payer un serviteur. Tu es borgne. On dira que c'est sûrement un mauvais médecin puisqu'il n'a pas guéri son propre serviteur. Alors je dirais que j'étais complètement aveugle lorsque tu m'as acheté et que tu m'as rendu la moitié de la vue. Maître! Oh! Maître! Des merveilles comme vous n'en avez jamais vu. Les dieux eux-mêmes ont daigné instruire mon maître dans son art. C'est le seul homme qui connaisse les anciens charmes et les breuvages de nos ancêtres. Venez tous et observez. Qu'on m'apporte de l'eau. Voici de l'eau. Mouille un linge et exprime-en l'eau sur ses lèvres. Il me faut du feu pour purifier mes instruments. Ah oui, du feu. Apportez du feu pour l'homme des miracles. Je n'ai plus besoin de feu, il est mort. Oh. Observez, observez à quel point mon maître est sage et magnanime. De crainte que ce pauvre esclave ne boite pendant le reste de sa vie sur un pied, mon maître lui a accordé le bonheur de la mort. Oui. Personne ne pouvait le sauver. Le sauver. Pourquoi? Ainsi le jeune médecin continue à demander pourquoi. Maître, c'est une femme dangereuse. Dangereuse? J'ai vu son regard, c'est celui de la chatte pour ses petits, de la vache pour son veau. Fais bien attention, mon maître, c'est qu'elle n'a qu'une seule idée dans la tête. Le mariage. Je ne sais même pas quel est son nom. Elle s'appelait Mérite. Elle était serveuse dans une taverne et elle ne savait ni lire ni écrire. Elle m'a aimé toute sa vie. Mais je ne l'ai appris que quand il était trop tard. Demandez pitié à nos dieux. Le pharaon est mort. Ils ont fait leur momerie toute la nuit.
Est-ce que ces imbéciles croient qu'ils vont rendre la vie au pharaon? Pourquoi ne l'emmènes-tu pas? Le jour va se lever. Que lui arrive-t-il? On lui a refusé un poste dans la garde du palais, à cause de sa naissance. Inutile de faire des secrets, je sais ce que tu dis, Sinoué. Oui, ils m'ont refusé. Refusé parce que mon père faisait des fromages. Et regarde ce qu'ils ont accepté. Des imbéciles parfumés qui portent des parasols et qui bavardent comme des pies. Quand se lève le jour? Dans une heure, à peu près. Tu as déjà chassé le lion? Non. J'ai vu un superbe mâle buvant dans une mare au crépuscule. Mais il n'a jamais chassé le lion. Il est sous ma protection, je te l'ai déjà dit, Mérite. Je n'ai pas besoin de protection. Je te rapporterai la peau d'un lion moi-même. Et si c'est le lion qui rapporte ta peau, qu'est-ce que je deviens, moi? Cherche-toi un autre maître à voler qui soit plus riche que moi. Sinoué, sois prudent, je t'en prie. Tiens, voici pour le vin. Que les dieux te soient favorables. Allons-y, avant qu'elle te fasse changer d'avis. Ouais, c'est comme ça que j'ai perdu mon œil. À la chasse au lion. Ce fils de fromager. Horizon enflammé de l'Orient. Pourquoi n'as-tu pas couru, idiot? Tu as failli être tué. Silence. Le dieu va venir. Que raconte cet imbécile? Il dit que le dieu va venir. Quel dieu? Il approche. Attends. Attends. Regarde. Il se prosterne devant la face du soleil. Ton lever est magnifique. À l'horizon lointain du ciel, ô éternel Aton, origine de toute vie. Qu'est-ce qu'il a à trembler? Il a le haut mal. Je peux au moins l'empêcher de se mordre la langue.
pas le laisser ici. On va le ramener dans notre char. Arrêtez-les. Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Vous le saurez bien assez tôt. Enchaînez-les. Pendant 2 jours, nous fûmes détenus sans savoir la raison de notre arrestation. Puis l'on nous conduisit sous bonne garde au palais royal. Silence! Face contre terre. Notre nouveau pharaon paraît. Face contre terre devant le Dieu vivant. À genoux, à genoux. Celui que j'ai appelé idiot, c'est le pharaon. Ça va nous coûter notre tête. Princesse, attendez-moi. Puissant pharaon, roi de la basse et de la haute Égypte. Princesse. Mon père est occupé. Mais je voudrais qu'il voie mon nouveau singe. Oh, tout à l'heure alors. Asseyez-vous, princesse. Puissant pharaon, roi de la basse et de la haute Égypte, fils du soleil. Tu as des pieds. Mets-toi debout. Vous me ferez bien plus plaisir en vous levant tous. Mon cœur est lourd à cause de la mort de mon père. J'aimerais terminer cette audience aussi vite que possible. Les ambassadeurs de Kitty et de Kutch viennent offrir leur respect au nouveau pharaon. Ils apportent des présents. Plus tard. Je veux voir les 2 prisonniers dont tu m'as parlé. Sont-ils là? Ils sont là. Avancez! À genoux! Restez debout. Pourquoi les a-t-on emprisonnés sans les juger? Ils ont commis un sacrilège. Ils ont porté la main sur la personne sacrée du pharaon. Sinoué, un médecin, le fils de Senmut. Horemeb, le fils d'un fromager. Approchez-vous. Pour un fromager, il a fière allure. Regarde l'autre, le médecin. Examine ses traits. Tu es le fils de Senmut? On m'a parlé de ses bienfaits envers les pauvres. Viens plus près. Akhenaton, il doit mourir. Il a porté la main sur toi. Je sais. C'était pour me sauver. La loi ne fait pas de telles distinctions. Ai-je le pouvoir de changer la loi? Il n'y a pas de limite à la puissance du pharaon. La loi est changée. Je te nomme médecin de la maison royale. Je te remercie du fond du cœur, mais je ne peux accepter cet honneur. Pourquoi? J'ai fait le serment de servir les pauvres. Pour imiter ton père? Pour cela et pour d'autres raisons. Senmut n'est que mon père adoptif. Mes parents eux-mêmes devaient faire partie des pauvres parce qu'à ma naissance, on m'a abandonné sur le Nil dans un esquif d'osier. Et tu n'as jamais su qui étaient tes parents? Peut-être étaient-ce des oiseleurs. C'était des nœuds d'oiseleurs qui liaient l'osier. Des nœuds d'oiseleurs? Tu as dit des nœuds d'oiseleurs? Oui. Pourquoi demandes-tu cela? Curiosité, mon fils. Tu peux respecter ton serment et servir les pauvres, mais
À la condition que tu t'engages à venir au palais chaque fois que moi ou ma famille t'appelleront. Je te remercie, Akhenaton. L'autre n'est que le fils d'un fabricant de fromage. Et il a profané le pharaon en le touchant. Pharaon, puis-je parler? Parle. Horemheb t'a sauvé la vie en tuant le lion. Que désire Horemheb? Je voudrais que mon épée puisse boire le sang de tes ennemis, comme ma flèche a bu le sang du lion. On m'a prédit que ce serait ma destinée. Est-ce que la destinée de l'Égypte doit être écrite par l'épée? Il en a toujours été ainsi. Et il y aura encore bien des combats. Quelle est ta requête? Un poste au palais, comme officier de tes gardes. Ta requête est accordée. Dommage qu'il n'ait pas voulu être notre fromager. Chut, princesse. J'aurais bien voulu. Le soleil se couche. Pardonnez-moi. Je vais retourner à mes méditations. Venez, mes enfants. La princesse Baketamon demande à te voir. Suis-moi. Pas toi. Par ici, Sinoué. Médecin, ma mère voudrait s'entretenir avec toi. Il ne te fera rien. Donne-moi de la bière. Viens plus près. Alors, tu n'as jamais su qui étaient tes parents. Tu as dû essayer de savoir, sans doute. Réponds-moi. Je suis satisfait de mes parents adoptifs. Dis-moi, en quelle année t'ont-ils trouvé? L'année où le pharaon est venu au monde, à ce qu'on m'a dit. Pourquoi me demandes-tu? Contente-toi de répondre aux questions. Ma mère t'a fait venir pour être examinée. Je sais que je vais mourir. Je veux savoir combien il me reste à vivre. Ne sois pas timide. J'aimais bien jadis qu'une main d'homme me frôle. Il y a longtemps. Qu'est-ce qui te trouble, médecin? Admires-tu la manière dont une reine tisse ce tapis de roseaux? Ce sont des nœuds d'oiseleur. Ignorais-tu que ma famille capturait des oiseaux en Basse-Égypte? Moi, j'ai pris un aigle dans mon filet. Le pharaon lui-même. Il m'a aimée parce que j'étais forte et pleine de vie, Sinoué. Parce que j'étais vulgaire et illettrée et que j'étais franche.
Ces autres femmes, les grandes dames si délicates avec leurs têtes étroites, elles ne pouvaient pas me voir. Et j'ai juré que je lui donnerais un fils qui porterait la double couronne. Et j'ai réussi. Mais les dieux ne furent pas cléments. Ils me donnèrent un fils qui est doux comme une femme et une fille qui est dure comme un homme. C'est Bakhtamon qui devrait être pharaon, et non son frère. Alors, qu'as-tu trouvé? Me permets-tu de te parler franchement? Dis-lui la vérité. Si tu veux vivre encore longtemps, il faut que tu cesses de boire dès maintenant. Quelle impudence! Je buvais de la bière avant que tu viennes au monde. Tu m'as demandé de te dire la vérité. Je vais te donner un conseil, jeune homme. Ne dis jamais la vérité à une vieille femme, et particulièrement si elle l'exige. Va-t'en maintenant, tu m'ennuies. Que te voulait-elle? Je me le demande. A-t-elle parlé de moi? Non. Un jour, quand je commanderai l'armée, je... Tu sais, quand je pense à elle, mon sang... Dis-moi, mon ami, as-tu une potion, quelque chose qui calme ma fièvre? Les vieux médecins disaient qu'un esprit malin est généralement chassé par un autre. Est-ce que tu veux dire une autre femme? Oui, bien sûr. Un remède élégant? J'ai juste ce qu'il nous faut. C'est une femme de Babylone. Elle donne un banquet tous les soirs. Elle ne se fâchera pas d'avoir deux autres de plus. Non, je... Oh, voyons, il nous faut célébrer notre bonne fortune. Ne t'inquiète pas, mon ami. Tu es toujours sous ma protection. Allons dehors, nous allons te montrer le jardin. Zinoué, mon ami, viens avec nous dans le jardin, on va cueillir de belles fleurs. Non, je vais t'attendre ici. Très bien, je vais en cueillir pour toi. N'as-tu donc jamais vu de femme avant moi?
Des centaines, et dans l'état où les dieux les avaient faites. Parce que je suis médecin. Dis-moi comment tu t'appelles. On m'appelle Sinoué, celui qui est seul. C'est ta maison? Oui, c'est ma maison. J'ai des invités tous les soirs. Et je n'aime pas être seule. Baraka? Mais c'est le cartouche du nouveau pharaon? Il me l'a donné. Il faut que je parte maintenant. Pourquoi? Parce que les hommes, rien que pour un sourire, t'apportent de riches présents, alors que je ne possède que ceci. Je n'ai jamais rien demandé à un homme jusqu'ici. Mais je te demande de rester. Je ne puis. Est-ce parce que nous autres, les femmes de Babylone, avons mauvaise réputation? Ou est-ce parce que tu me trouves laide? Suis-je laide? Tu es plus que belle. Plus belle qu'un rêve. La flatterie doit être facile pour un homme qui a connu des centaines de femmes. Non, aucune ne m'a jamais paru aussi belle que toi. Ni aussi étrange. Quand je regarde dans tes yeux, je sens... Qu'est-ce que tu sens, Sinoué? La fièvre de Thèbes dans mon sang et dans mes membres. Et je sais que désormais le monde peut s'écrouler, rien n'existe plus. Rien que ta beauté, rien d'autre. Voilà ce que je vois dans tes yeux. Il est tard. Il faut que je m'en aille. Si tu pars, l'esprit enflammé par le vin et par l'amour, tu risques de devenir une proie facile pour la première femme venue. Ça t'ennuierait? Non. Je ne t'ai amené ici que pour te montrer cette porte dans le mur. Cette nuit, quand tous mes hôtes seront partis, je reviendrai ici pour prendre mon bain. Pourquoi me dis-tu cela? Peut-être parce que j'adore les cadeaux. Et le plus grand des présents qu'un homme puisse offrir à une femme, c'est son innocence. Ce qu'il ne peut faire qu'une fois. Attends. Avant tout, avant que tu m'approches, je dois t'avertir. Avertir? La déesse de l'amour avait ses raisons pour prendre la forme d'un félin. Quand je te regarde, qu'importe les félins ou les dieux. Regarde Sinoué. Les pattes du chat sont douces. Mais il a des griffes. Le chat prend plaisir à tourmenter ses victimes. Ce n'est que quand elles agonisent qu'il leur montre de la pitié, en les mettant à mort. En quoi cela nous concerne-t-il, toi et moi? Tu es un garçon sans expérience. Et moi, je dois suivre ma voie. Pars maintenant. Et ne reviens pas par cette porte dans le mur. Car tu pourrais le regretter toute ta vie. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Les hommes, dans leur folie, m'ont donné le nom qui signifie magnifique. Néfer. Ça m'est bien égal de savoir ce que fait ton maître. Si tu estimes que ça t'est égal, pourquoi es-tu en colère après moi? Va-t'en, Captain.
Ça fait une semaine que j'envoie ces malades à d'autres médecins comme il me l'a demandé. Il a même fallu que je rembourse les arts que j'avais acceptés pour les rendez-vous qu'il décommande. Cette femme a volé son esprit. Il est aussi fou que les chacals qui rôdent autour des tombes quand ils ont trop faim. Et je suis aussi fou que lui. C'est contre toi que je l'ai mis en garde. Pourquoi viens-tu me trouver maintenant? Oh, il y a des choses pires que le mariage. Comment ai-je pu être assez folle d'avoir rêvé une chose pareille? C'est le médecin du pharaon alors que moi... Oh, Captain, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux lui offrir plus qu'elle. Oh, dehors! Allez, dehors, espèce de babouin borgne! Dehors! Hors d'ici! Attends-tu, Sinoué? Je t'ai dit que je n'étais pas libre ce soir. Je dois recevoir un riche marchand de Syrie. S'il ose te toucher, je l'assomme. Il faut être jeune et bête pour parler comme ça. Il faut que j'avoue, Sinoué, que tu me plais beaucoup. Mais oui, beaucoup. Tu n'es pas comme les autres. Tu es jeune et fort. Et innocent. Mais malheureusement, il faut que je pense à mon avenir. Les femmes comme moi qui vivent toutes seules ne peuvent pas se permettre de faiblesse pour quelqu'un. Sinon, elles finiraient en mendiant dans la rue. Je t'offre ma protection aussi longtemps que tu vivras. Les hommes ont dit la même chose très souvent. Et dans beaucoup de langues. Écoute, Sinoué. Je vis en Égypte parce que je ne peux pas retourner à Babylone. Quand j'avais 12 ans, on m'a vendue comme esclave. Depuis, j'ai passé d'un maître à un autre. Y a-t-il une différence avec ta vie actuelle? Une énorme différence. Parce que maintenant, aucun homme n'est mon maître. Le marchand syrien qui vient chez moi ce soir m'apporte un rubis qui appartenait à une reine. Mais donner un présent du pharaon est un sacrilège. Je ne demande rien. Je désire seulement que tu comprennes. Que tu partes maintenant. Mon hôte va arriver dans un moment. Ne le reçois pas. Je t'ai donné mes raisons. Ne le reçois pas. Tu me fais mal. Je t'ai donné le seul objet de valeur que je possède. Ce n'est pas ce que tu voulais? Tous les hommes sont des menteurs. Et toi, tu mens comme tous les autres. Tu n'es pas si pauvre que tu le prétends, Sinoué. Tu as une maison et beaucoup d'instruments de cuivre et de bronze. Si je t'en fais cadeau, est-ce que tu me promets?
Je ne promets jamais rien. Si tu désires me faire un présent, fais-le. Mais ne demande rien de moi, car je ne demande rien de toi. Je suis une mauvaise femme, Sinoué. Je t'en ai prévenue depuis le commencement. Garde ta maison et tes instruments. Et va-t'en. Tu manies l'arc comme un homme, Baquetamon. Jeu d'enfant, vraiment. Je vois que tu montes en grade. Pourquoi pas? Ici, un vrai soldat est comme un aigle parmi les moineaux. Je voudrais te parler seul à seul. Viens par ici. Puis-je t'avouer que je rêve depuis longtemps de cet instant? Tes rêves ne m'intéressent pas. Je veux te parler de ton ami, le médecin. Pourquoi t'intéresses-tu à mon ami? Mon frère a besoin de lui et le réclame. Il ne s'est pas encore présenté à la cour. Sinoué a quitté la ville. Il est à Memphis, je crois. Si tu espères encore monter en grade, ne me mens pas. On ment pour ses amis quand on les aime. Même à la sœur du pharaon. Que désires-tu? Je veux qu'on le sauve de cette créature qui lui a volé l'esprit. C'est aisé. Elle est babylonienne. Fais-la bannir ou tuer. Il la suivrait en exil ou pleurerait sur sa tombe le restant de sa vie. Non. Il faut qu'il comprenne que c'est une fille de rien. Et comment penses-tu lui faire comprendre ça? En lui faisant découvrir qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami. Ce sera une mission facile pour toi. Ce genre de femme aime qu'on les prenne d'assaut comme des forteresses. C'est très flatteur pour moi. Je t'estime à ta juste valeur comme tu le fais toi-même. Donne-moi ton bracelet. Voudrais-tu une récompense pour venir en aide à l'ami que tu aimes comme un frère? Je vais l'offrir à la babylonienne. Oh. Tu as peur que ton charme seul ne soit pas suffisant? Pas pour elle. Mes amis nous observent. Ils croient que tu me décernes un honneur. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Un jour, tu m'offriras les bijoux de tes bras, de tes chevilles et de ton cou. Garde ta passion pour la babylonienne. Elle t'appréciera plus que je ne fais. Ouvre-moi, laisse-moi entrer. Il est trop tard et j'ai l'ordre de n'admettre personne. Ta maîtresse attend ma visite. C'est elle qui m'a demandé. J'exécute mes ordres. Horemheb. Nefer, laisse-moi entrer. Horemheb. Nefer, laisse-moi entrer. Il faut partir. Il sait que tu es là. Ça m'est égal. Et toi? Je ne lui avais pas demandé de venir ce soir. Je lui ai envoyé un message en ton nom. Ça ne t'ennuie pas? C'est donc ça!
C'est tout, d'écouter Ranatofer. Batouf. Va-t'en. C'est par amitié pour toi que je suis là. Tu ne vois donc pas ce qu'elle est. La seule raison de ma présence ici est de te le montrer. Ne m'appelle plus jamais ton ami. Va-t'en. Parfait. Tu mérites bien tout le mal qu'elle te fera. Tu peux partir aussi. C'est ma maison et ce n'est pas une taverne. Nefer, attends. Regarde, tiens. Je t'apporte ce que tu demandes. La donation de ma maison, mes instruments. Je ne t'ai jamais demandé ces déchets. Ranatofer. C'est tout ce que j'ai. Et ce ne sont pas exactement des déchets. La maison est petite, mais très bien installée pour un médecin. Les instruments sont les meilleurs. Ils ont autant de valeur que des bijoux. C'est Allah. Voilà. Et maintenant, tout ce que je possède t'appartient. C'est noué, je t'en prie. Je suis fatiguée. Tu trouves toujours quelque excuse. Nefer, je... Attends. Puisque tu n'écoutes pas mes conseils, tu me forces à te traiter comme mes autres amis. Que veux-tu de plus de moi? Pour toi, j'ai désobéi au pharaon, fait honte à ma famille, vendu tous mes biens. Et tu continues à mentir. Quoi? Je mens? Pourquoi as-tu caché si soigneusement que ton père avait une belle maison au bord du fleuve? Je ne puis te donner ce qui n'est pas à moi. Et qu'il s'était fait construire et meubler pour lui et sa femme une magnifique tombe dans la cité des morts. Tu me demandes de voler à mes parents leur immortalité, de laisser pourrir leur corps dans la terre comme les carcasses des esclaves et des animaux? Je ne te demande rien. Et si tu fais encore cela pour moi, je te montrerai l'ultime perfection de l'amour. Fais-tu ici? Tu n'es pas venu à la taverne depuis des semaines. Je voulais te voir. L'homme que tu connais est mort. Oublie-le. Je ne pourrai jamais l'oublier. Sinoué, je t'en prie, écoute-moi. Je voudrais tellement t'aider. J'ai déjà beaucoup d'expérience. On apprend à connaître la vie dans une taverne. Chaque nuit, je vois le désir dans les yeux des hommes. Avec une serveuse, ils ne se gênent pas pour le montrer. Certains attaquent les femmes avec arrogance, en vainqueur. Comme ton ami aurait même. Ceux-là, aucune femme ne peut les faire souffrir. Et il y a les timides, ceux qui n'osent pas. Mais le désir est dans leurs yeux aussi. Et ceux-là sont sans défense. Parce qu'ils ont peur d'approcher une femme qui leur apporterait le bonheur. Ce sont des proies faciles pour celles qui ne cherchent que l'argent.
Les malheureux croient qu'ils aiment parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le véritable amour. Qu'essaies-tu de me dire? Ai-je besoin de te le dire alors que tu me trouves à cette heure dans ta maison t'attendant? Si tu veux m'être utile, tu le peux. Voici la donation de la maison de mes parents et de la tombe dans laquelle ils fondaient leur espoir d'immortalité. Voici son nom, la nouvelle propriétaire. Lisa Merritt, Nefer, Nefer, Nefer! Tu ne peux pas faire ça! Il faut un témoin pour signer. J'ai besoin que tu signes. Vas-y, signe! Si tu ne sais pas écrire, fais une marque! Oh. Que les dieux prennent pitié de toi! Sont à toi. À partir de maintenant, je suis maudit par les dieux et les hommes. J'ai payé cher mon bonheur. Prouve-moi que je n'ai pas payé trop cher. Comment puis-je te le prouver, Sinoué? En tenant ta promesse. Promesse? Qu'est-ce que je t'ai promis? La perfection de l'amour. C'est vrai. Sinoué, comme je te l'ai déjà dit, tu me plais. Tu me plais beaucoup. Es-tu tout à fait sûr que c'est la perfection que tu veux? Oui. Alors tu l'auras. Je vais mettre fin à tes souffrances. C'est cool. Accompagne-le à la porte. Il ne l'admet plus jamais dans ma maison. Tous les philosophes savent que nous passons notre vie à chercher la perfection. Et la perfection ne se trouve que dans une fin. Une fin? Tôt ou tard, même un chat se fatigue de sa victime. Une fois de plus, seul et désespéré, je revins à la maison de mes parents.
la maison qui n'était plus à eux. Qu'un médecin peut utiliser sa science à ôter la vie, aussi bien qu'à la sauver. Ton père a laissé ceci pour toi. Lis-le. Je ne peux pas. Alors, écoute. Ainsi noué notre fils. Nous avons de la peine parce que le destin s'acharne sur toi. Ne regrette pas d'avoir été forcé de vendre notre tombe, parce que l'existence n'est que vanité. Nous ne désirons pas vivre dans l'autre monde. N'oublie jamais que nous t'avons béni avant de partir, car tu fus le plus grand bonheur de notre vie, toi que le Nil nous apporta alors que nous étions déjà vieux. Puisse ton cœur ne jamais connaître le chagrin. Tel est le désir de ton père et de ta mère. Qu'as-tu faire dans la maison de la mort? Je t'ai apporté les dépouilles d'un homme et d'une femme. Qu'elles soient préservées par ton art et qu'elles puissent ainsi obtenir la vie éternelle. Comme tu le dis, je suis un artiste. Que peux-tu payer pour mes services? Je n'ai pas d'argent. Tu n'as rien? Jetez ces charognes dans le fleuve. Attends. Je suis prêt à travailler pour te payer l'embaumement. Aussi longtemps que tu l'exigeras. Travailler ici? Il n'y a que des criminels et ceux que les dieux ont maudits qui viennent travailler dans la maison de la mort. Aucun des hommes que tu emploies ne peut être pire que moi. Qu'on le mette au travail. Pendant 90 jours, je travaillais avec les maudits de la maison de la mort. C'était comme si j'étais mort moi-même. Seul mon serviteur Capta savait ce que j'avais fait. Et où j'étais. Que fais-tu ici? Parle ou je brise le crâne! Tu es un gardien? Gardien? Aucun gardien n'oserait se montrer ici la nuit. Tu es un voleur de tombes. Je ne suis pas venu voler. Que veux-tu alors? J'ai amené mes parents ici pour les ensevelir. Dans la vallée des rois? J'espérais que si je les enterrais parmi les pharaons, ils en partageraient les richesses dans l'autre monde. L'autre monde? Il y a en effet beaucoup de pharaons de plantés ici, mais je n'en ai pas encore vu un pousser et donner des rameaux. Quant aux cadeaux, ils ne les voient jamais.
parce qu'on les prend d'abord. Tu ne crois pas en une autre vie. Eux y croyaient. Tu es étrange. Je vais t'aider. Je voudrais trouver le moyen de marquer leur tombe. Marquer ou pas marquer, c'est la même chose. 20 ans pour construire une pyramide, ou 1 heure pour creuser un trou dans le sable. Les morts sont morts, quel que soit l'endroit de leur tombe. Et à la fin, le sable efface tout. Chaque grain de sable vivra plus longtemps que tous les hommes qui vivent actuellement, ou même qui viendront un jour. L'immortalité. Je la tiens dans ma main. Il n'y a que les petits grains de sable qui ne mourront jamais. Écoute. Un chacal? Un chacal à 2 jambes. C'est un de mes amis qui m'avertit qu'un étranger approche. Là, derrière ce rocher. Toi? Oui. C'est quand même un drôle d'endroit pour se donner rendez-vous. Sinoué. Comment m'as-tu trouvé? Grâce à Capta. Il m'a dit ce que tu as fait. Je sais que tu es resté 3 mois dans la maison de la mort. Ne t'approche pas. L'odeur de la mort est toujours sur moi. Il y a longtemps que tu as mangé. Je n'en sais rien. Je t'apporte du pain et du vin. Repars, Mérite, repars. Laisse-moi seul. Quand tu auras mangé, assieds-toi, Sinoué. Ne serait-ce que pour me faire plaisir. Du pain. Du vin. Thèbes, ville du stupre et du mal, les hommes méritent l'injustice. Ils méritent leurs prêtres cruels, leurs dieux mauvais, car ils sont vils. Nous ne sommes qu'une maladie de la terre qui grouille sur sa surface. La tombe est le seul remède à notre pourriture. Voilà ce que j'ai appris. Je vais te ramener dans la ville. Non, tu ne peux pas. La fille du pharaon est morte parce qu'on n'a pas pu te trouver. Il est fou de douleur. Sinoué, il t'a condamné à mort. Ça ne peut rien dire. La mort ne vient pas à ceux qui la demandent. Je le sais, ma nouvelle sagesse me l'a appris. Est-ce la sagesse pour un homme de se mépriser et de haïr parce qu'une femme lui a fait du mal? Crois-tu vraiment que toutes les femmes sont comme cela? Ne peux-tu croire en un amour qui ne demande rien? Oh, mon bien-aimé. Thank you.
Tout est arrangé, maître. J'ai réussi à acheter le passage pour nous deux. Avec quoi? J'ai tout donné, tout ce que j'avais, tout ce que je t'avais volé. Viens, il faut se cacher dans la cale avant que les autres passagers n'arrivent. Mérite. Je ne sais comment te dire ce que... Prends cela, Sinoué. Ça n'est pas de l'or, mais je voudrais que tu le prennes. C'est le symbole d'Aton, le dieu soleil. Peut-être qu'un jour... Non. Il ne faut pas nous illusionner. Nous ne nous reverrons plus jamais. Plus jamais? Tu es jeune, Mérite. Tu as encore toute la vie devant toi. La mienne finira quelque part dans la nuit d'une terre étrangère. Je t'aime, Sinoué. N'oublie jamais que je t'aime. Vite, maître! Viens! Et je laissais derrière moi la terre de mes ancêtres. En même temps, j'y laissais ma jeunesse qui contenait tant de promesses et qui n'avait porté que les fruits du désespoir. Pendant des années, Capta et moi, nous voyageâmes d'un bout du monde à l'autre. Au début, nous vivions d'expédients. Nomades, sans amis, nous volions pour subsister. Nous avons connu la soif, la faim, le froid. Nous dormions à la belle étoile. Puis, le temps émoussa mon chagrin. Je commençais à utiliser la science que j'avais acquise à l'école de vie et dans la maison de mon père. Bientôt, la célébrité me précéda dans les pays lointains que nous visitâmes et qui n'avait encore jamais vu un Égyptien, et encore moins un médecin digne de ce nom. Les cures les plus simples étaient considérées comme des miracles. Et je fus connu comme un grand magicien. Dans chaque nouveau pays, notre fortune augmentait. Partout, nous vîmes l'injustice et la misère. Mais mon cœur s'endurcissait. Je réservais mon habileté pour les riches, les puissants, pour ceux qui payaient. Pour les pauvres, pas de soins. Quand la douleur sera trop forte, tu crieras. Sous la souffrance, un guerrier hittite ne crie pas. Là? Oui. C'est comme je le craignais, commandant. Je dois te trépaner. Et enlever le mal avec un couteau. Serait-ce un complot égyptien de faire mourir notre commandant au moment où vous projetez une guerre contre l'Égypte? C'est vous qui m'avez amené ici, de Babylone. Vos projets ne m'intéressent pas, car je n'ai plus de patrie. L'Égypte n'est plus rien pour moi. Dois-je entreprendre de te guérir? Combien de chances ai-je de survivre? Une chance sur cinq. Si je meurs, mes officiers te tueront. Je le sais. Et si je vis, qu'est-ce que tu demandes? Ton épée de métal noir. Rien de plus. Tu es donc un espion. Quelle importance. Après le premier combat, notre secret ne sera plus un secret. Après le second, l'Égypte ne sera même plus l'Égypte. Commence, Égyptien. Rase-le et lave-lui la tête. Et attachez-le à son siège. Je prépare un filtre pour l'endormir. Maître, c'est à toi et non au commandant hittite qu'il faut faire un trou dans la tête. Pourquoi ne demander que cette épée alors qu'on pouvait avoir une fortune?
parce que je crois que ce nouveau métal des Hittites peut bouleverser l'histoire du monde. Ah. Et parce que Horemheb est le commandant de l'armée d'Égypte. Ainsi tu mentais. Il y a une clé à ton cœur, après tout. Tu aimes toujours ta patrie. Mais tu n'y retourneras jamais. Les pharaons ne pardonnent jamais à leurs ennemis. Apporte mes instruments et la flamme. Captah, on rentre en Égypte. En Égypte. Mais l'Égypte, hélas, était bouleversée, déchirée par la haine et la guerre civile. Dépêchez-vous là-bas! Vois-tu, maître? J'ai eu peur des Hittites, mais ici j'ai encore plus peur. On a mal choisi notre moment. Ton nom, Syrien? Je suis un Égyptien. Je m'appelle Sinoué, autrefois médecin du pharaon. Oh, maître, tu as dû être mordu par un babouin enragé quand tu étais petit. Si par hasard ton nom figure sur la liste des proscrits, ben, tu sais comment sont les Égyptiens. Arrêtez ces hommes. Emmenez-les à la prison. Il s'agit sûrement d'une erreur. Regardez encore votre liste. Voyons, regardez encore votre liste. Regardez. Il fallait s'y attendre. Prenez les soldats stationnés dans le delta, aux cataractes. Votre devoir est de faire régner l'ordre dans la ville. Vous devez pouvoir y arriver avec les hommes que vous avez. Si je... On t'avait dit de ne jamais revenir en Égypte. Pourquoi as-tu désobéi? On dit que celui qui un jour a bu de l'eau du Nil ne peut plus étancher sa soif ailleurs. Je sais pourquoi tu es là. Les prêtres des anciens dieux veulent se débarrasser du pharaon. Ils racontent qu'il est fou et qu'il faut lui ouvrir le crâne. Alors ce serait tellement facile de faire glisser la lame. C'est pour ça qu'ils ont ramené en Égypte le seul homme capable de faire l'opération. Toi. Qu'on me rende l'épée que l'on m'a prise. Rends-lui l'épée. Voici pourquoi je rentre en Égypte. Tire ton épée. Laissez-moi. Et maintenant? Tu vas me frapper, fort. Te rends-tu compte de ce que tu me demandes? Frappe. Encore, plus fort. Vois-tu cela? Elle fut forgée chez les Hittites. Ils en préparent des milliers dans leur forge jour et nuit. Ils n'emploient que ce nouveau métal. Ils l'appellent le fer. Le fer? Le fer? Suivez-moi. Le pharaon adore son propre dieu. Regarde. J'ai vu les souffrances que son dieu a fait descendre sur l'Égypte. Ce sont les prêtres, pas le pharaon, qui sont la cause de nos souffrances. Ils ont rendu le pharaon responsable des malheurs de l'Égypte et fait croire au peuple que les anciens dieux montrent ainsi leur colère. Si on me laissait faire, je pendrais chaque prêtre par les pieds. Mais notre pharaon estime qu'il faut rendre le bien pour le mal. Viens. Thank you.
demande pardon, Akhenaton, d'interrompre tes prières. Mais c'est très urgent. Le commandant en chef ne me doit pas d'explication. Je t'amène quelqu'un dont tu te souviens sûrement. Sinoué, le médecin. Sinoué. Oui. Il vient implorer ton pardon, Akhenaton. Et en tant que commandant de tes armées, je te demande de lui montrer ta clémence. C'est moi qui devrais te demander pardon, Sinoué. Car jadis, dans la colère, j'ai levé la main sur toi et je voulais te tuer. Mon cœur se réjouit de te revoir. Sinoué vient de rentrer du royaume des Hittites. Ils préparent la guerre contre nous. Ils ont réussi à faire un nouveau métal. Et cette épée en est la preuve. Elle coupe nos armes de cuivre comme le couteau tranche la chair. Comment cela peut-il être vrai? J'ai envoyé la croix de la vie au prince Hittite comme gage d'amitié durable. Akhenaton, oublie tes rêves. Que leur importe ta croix de la vie? Ils veulent richesse, esclaves, puissance. Et avec ceci, ils les obtiendront. À moins qu'on ne frappe les premiers et qu'on détruise leurs villes, leurs mines et leurs forges. Me demandes-tu d'ordonner le massacre? Je te demande d'être aussi impitoyable avec nos ennemis qu'ils le seraient avec nous, ni plus ni moins. Il y a de la pitié dans tous les cœurs, mais il faut savoir l'atteindre. Un homme qui a vécu dans la nuit toute sa vie ne comprend pas la lumière. Il l'appelle le mal parce qu'elle lui brûle les yeux. Devons-nous éteindre la lumière et ramper dans la nuit avec cet homme? Cette philosophie a rempli le Nil de cadavres. À nouveau, ce matin, une émeute s'est produite sur les quais. Il a fallu que j'envoie des soldats pour la briser. Ne vois-tu pas qu'une guerre unirait notre pays, Akhenaton? Et que toutes les factions se réconcilieraient pour lutter contre l'ennemi commun? Il a raison, mon époux. Même toi. La nuit est donc encore si près de nous. Il faut écouter, Oremeb. C'est à ton que je dois écouter. J'enverrai aux Hittites un message pour leur demander quelles sont leurs intentions. Merci d'être venu. Je comprends maintenant contre quoi je dois lutter. Pourrait-il t'empêcher de faire ce que tu veux avec l'armée? Non, car c'est moi que les hommes suivent. Mais c'est le pharaon, et je lui ai fait le serment de loyauté. Il va écrire aux Hittites. C'est comme s'il les invitait à prendre son trône. Quelle importance! J'ai vu des rois, grands et petits, vieux et jeunes, belliqueux et efféminés. Le peuple souffre et meurt, quel que soit son maître et quel que soit le pays. Hittites, Égyptiens, traite-toi. C'est mal de croire en trop de choses comme le pharaon. Mais c'est pire de ne croire qu'en si peu de choses, mon ami. Moi, je ne crois plus en rien. Pendant que la guerre civile déchirait l'Égypte, je doublais ma fortune en soignant les riches. Renvoie les autres patients, je suis fatigué. Je ne recevrai plus aujourd'hui. Je crois que tu verras cette personne, maître. Tu ne perdras pas ton temps. Oh, elle paie de gros honoraires? Pas gros, mais intéressant. Fais entrer. Il va te voir. Revenez demain matin. Je suis désolé, je ne peux rien y faire. Peux-tu me guérir? Dis-moi de quoi tu souffres. Donne-moi la main. Ouvre ta robe.
Je peux sauver ta vie, mais je ne peux te rendre ta beauté. Le mal l'a rongé trop profondément. Désires-tu vivre, Néfer? Oui. Oui, je veux vivre. Reviens demain matin, je vais entreprendre de te guérir. Je ne peux pas te payer. Ton collier était tout ce qui me restait. Je ne vais rien te demander pour mes services. Tiens. Depuis 10 ans, j'en rêvais. Je rêvais de la retrouver. Quand c'est moi qui serai le plus fort. Et de prendre ma revanche. Lentement, en la savourant. Que ressens-tu maintenant, maintenant que tu peux te venger? Que de la pitié. De la tristesse. Parce qu'autrefois, elle fut si belle. Et un chat ne peut s'empêcher d'être ce qu'il est. C'est étrange, Captain. La vengeance vous laisse aussi vide que la fortune. On peut se gorger des deux. On reste toujours sur sa faim. Maître, de quoi as-tu faim? Je n'en sais rien. Je sais seulement que je l'ai toujours cherché là où il ne le fallait pas. C'est dangereux de se promener dans ce quartier sans être escorté. La vue, les sons, les odeurs, tout cela fait revivre le passé. C'est à ce puits que je venais tirer de l'eau pour mon père. Ça fait bien longtemps déjà. Regarde, Capta. Voici l'arbre auquel je grimpais quand je pouvais à peine marcher. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-les tranquilles. Arrêtez. Filez, filez. Ils t'ont fait mal? Non. Où habites-tu? J'habite là. Tot, mon pauvre chéri. Je n'ai rien. Mais tu es blessé. Je n'ai rien. C'est les autres gosses qui n'aimaient pas ma croix. Il faut que je t'emmène chez le médecin. Puis-je faire quelque chose? Sinoué. Oui, tu peux, Sinoué. C'est Sinoué, le médecin, Tot. Il est célèbre dans le monde entier. Je vais chercher de la toile pour un pansement. J'y vais. Mérite. Après tant d'années. Tu étais toujours dans mes prières, Sinoué. Alors je remercie ton Dieu, si c'est lui qui nous fait nous rencontrer. Entre, veux-tu? Tu savais que c'était la maison de mon père? Elle était à vendre et je voulais m'installer chez moi. Pour ton mari et toi? Je ne suis pas mariée. J'ai trouvé un bandage, maman. Maman? Oui, c'est l'enfant d'une amie. Il est orphelin, mais il l'ignore. Il croit que c'est moi sa mère. Je t'en prie, Sinoué. Je comprends. Je garderai ton secret, car j'étais orphelin, moi aussi. Viens, entrons. Voici les pansements. Et les instruments, si tu en as besoin.
Je veux être médecin, moi aussi, quand je serai grand, Sinoué. J'espère que tu en feras plus noble usage que moi. Je les ai achetés en même temps que la maison. Ah. Assieds-toi là, petit. Bon, tiens le bandage. Je vais te faire du mal. Je n'ai pas peur. Est-ce que j'étais dans tes prières aussi? Oui. Je priais à ton qu'il te rende moins vaniteux et mieux élevé. Non, je sais que je suis en Égypte. Il n'y a que les femmes égyptiennes pour avoir la langue aussi bien pendue. Après-demain, tu pourras enlever le pansement. Mais pas avant. Est-ce que tu as compris? Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, qu'arrivera-t-il si je l'enlève? Probablement rien. Je te parle sévèrement parce que les médecins doivent être très fermes avec les patients. Tu le découvriras. Ça augmente leur respect pour toi et la grandeur de tes honoraires. Mais moi, je veux être le médecin des pauvres. Oh. Pourtant, les riches peuvent se payer des maladies plus intéressantes à suivre. Non, je veux être médecin des pauvres. J'ai une faim de loup. Et toi? Je pourrais manger un hippopotame. Ben, il n'y a que du poisson. Dépêche-toi, maman! Oui, dépêche-toi. Pas tant de bruit, vous deux. Viens ici. Sois gentil, toi, t'y range les instruments. Tu crois tout voir, Captain, avec un seul œil. Plus que mon maître qui en a deux. Si tu oses lui faire comprendre. Pourquoi lui dirais-je, ma vie me plaît telle qu'elle est? Je n'ai pas besoin d'une femme à la maison qui me chercherait chicane dès le matin, qui surveillerait mes comptes et rationnerait ma bièce. Mérite. Je ne t'ai pas demandé de venir ici, fouiller dans ma vie privée. Je ne m'y attendais pas. La fumée. Peut-être crois-tu que la fumée m'aveugle aussi. Pourquoi le célèbre Sinoué, le grand, riche et cynique Sinoué, s'embarrasserait-il d'une fille de taverne? Tu m'appelles grand et riche, mais je ne possède rien. Je suis le plus pauvre des hommes parce que j'ai gâché toute ma vie. Tout ce que j'ai jamais touché, je l'ai détruit. Mon bon renom, mes parents. Et ta vie aussi mérite. Mais il y a une chose que tu m'as donnée. Peut-être est-ce la réponse à la question que je me suis posée depuis que j'étais enfant. Pas ton Dieu, parce que je ne crois pas au Dieu. Mais une chose que j'ai créée qui n'a pas été vaine. S'il est trop tard pour vivre pour nous-mêmes, peut-être pouvons-nous vivre pour notre fils. Viens par là. Je t'offre un conseil d'une valeur inestimable. N'observe jamais à travers les fenêtres ce qui ne te concerne pas. Un accident est vite arrivé. Regarde mon œil. Tiens. Avais-tu l'intention de passer sans me parler? Je te demande pardon, Baquetamon. Le pharaon m'a fait appeler. Je sais. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est vu. Tu n'as plus ton air d'innocence. Le pharaon m'attend, excuse-moi. Tu connais la nouvelle? Les Hittites ont envahi la Syrie. Leurs chariots approchent par milliers du delta du Nil. La guerre a donc commencé. Non. Mon frère a refusé à Horemheb la permission de combattre. Il faut qu'il soit fou.
Il y a bien longtemps que je le sais. Médecin! Après avoir vu mon frère, viens dans mes appartements. Je te salue, Néferdine. Merci d'être venu. Akhenaton, mon ami. Akhenaton, il faut que tu permettes à Horemheb de défendre l'Égypte. Non. Non. Je ne lâcherai pas la mort sur mon pays. Je ne plongerai pas l'Égypte dans un bain de sang. Il me croit fou. Horemheb, les prêtres, même ma propre sœur, ont-ils raison, Sinoué? Suis-je donc fou? Tu es fou, Akhenaton, mais ta folie est plus magnifique que la sagesse des autres hommes. Magnifique. Oui, ma vision d'Aton était magnifique. Je croyais qu'il donnerait la paix et le bonheur à l'humanité. Je croyais que je serais sa voix et porterai son message à mon peuple. Mais j'avais tort. La vision s'est effacée. Ma voix n'a été qu'un murmure du vent dans le désert. Aton m'a laissé devant la mort, la folie et la guerre. Si tu m'aimes un peu, Sinoué, libère mon âme de ce fardeau. Donne-moi la paix. Le devoir du médecin est de prolonger la vie, Pharaon, pas de l'abréger. Laisse-le reposer. Ne peux-tu rien faire pour mon époux? Je suis désolé, mais le mal dont il souffre n'est pas physique. Pharaon, ce qu'il demande, qu'on lui donne la paix. Tu es plus courageux que je ne croyais. Si Horemheb apprenait ce complot. Mes hommes sont prêts. Le fidèle commandant en chef. Toi aussi. Écoute, Sinoué. J'aime Akhenaton autant que j'aime mon bras droit. Mais si mon bras était gangréné, sans hésiter, je le couperais. Tout comme Akhenaton doit être coupé de l'Égypte. Toute l'Égypte sait que j'ai raison. Toi aussi, tu le sais. Oui. Oui, et à ta place, je me dirais la même chose. As-tu un breuvage qui donne le sommeil sans faire souffrir? Quoi? C'est moi qui dois le tuer alors que je suis entouré de talentueux experts en violence? Fais cela et les dieux te béniront pour toujours. C'est ça, tu parles pour les dieux et Horemheb pour l'Égypte. Dites-moi une chose, qui lui succède sur le trône? Qui d'autre que celui qui commande les armées qui sauveront l'Égypte et en fera à nouveau la plus grande puissance au monde? Oui. Horemheb. Toi, Pharaon, c'est donc cela le prix de ta trahison. Appelle ça trahison si tu veux. Mais il n'y a qu'une chose qui puisse sauver l'Égypte maintenant. C'est le courage. Le courage d'agir. Le courage de triompher de l'ennemi et de mettre ses chefs dans les chaînes. Akhenaton est dans sa chambre. Il est sans défense. C'est votre chance de le frapper. Mais vous ne le ferez pas. Parce qu'on n'a jamais levé la main ouvertement sur le pharaon. Et si vous l'abattez, vous ouvrez la route. Un précédent serait créé. Vous risquez qu'on abatte le prochain pharaon, dont le nom, vous l'espérez, sera Horemheb. C'est pourquoi cette vilenie doit être commise indirectement, comme on l'a toujours fait dans le passé,
Par un médecin qui prétend lui donner un remède. Par un médecin que l'on croit son ami, son frère. Je regrette, mais je ne suis pas cet homme. Attendez dehors. Ne vous éloignez pas. Tu voulais me voir, princesse? Vas-tu faire ce qu'il te demande? Non. Tu as tort, Sénoué. Akhenaton doit mourir. C'est mieux pour lui. Encore une nouvelle raison. Mikéré veut qu'on le tue pour les dieux. Horemeb pour l'Égypte et sa sœur par égard pour lui. Tout chasseur montre sa pitié à une bête blessée en l'achevant. Ils t'ont dit comment ils pensaient avilir le trône? Oui, ils m'ont dit qu'Horemeb serait le pharaon. Oui, et c'est moi qui serai sa reine. Je lui ouvre la porte de ma chambre ce soir. Et demain, notre mariage sera proclamé dans les temples des anciens dieux. Je vois. Un bon plan. Ce mariage rendra Horemeb acceptable à son peuple. Mais pas à moi, médecin. Si je me marie, ce ne sera pas avec le fils d'un fromager. Laisse-nous. Le temps nous presse. Les hommes d'Horemeb ont déjà le contrôle de la ville. Ce soir, les prêtres vont ouvertement restaurer les anciens dieux et feront couler le sang dans la ville. Mais tous les deux, nous pouvons triompher d'Horemeb et de tous ces mauvais prêtres. Sinoé, approche-toi. Voici ce que tu vas faire. Prétends être d'accord sur leur plan. Tue mon frère et tue Horemeb aussi. Deux meurtres. Ensuite, viens dans ma chambre ce soir et je t'ouvrirai moi-même les portes avec joie pour partager le trône avec toi comme pharaon. Pourquoi le peuple accepterait-il un médecin sans naissance comme pharaon? Parce que tu es le pharaon. Tu es mon demi-frère. Le seul homme en Égypte digne de devenir mon époux et de régner à mes côtés. Pourquoi crois-tu que ma mère et moi t'avons fait venir lors de ta première visite au palais? Ma mère m'a raconté toute l'histoire avant de mourir. Elle m'a laissé libre de garder le secret ou de te le révéler. Elle ne fut pas la première femme à donner un fils au pharaon, mon père. Quelques semaines avant, une de ses autres femmes m'avait mis au monde un garçon. Toi. Le jour même, tu fus enlevé à ta mère et abandonné au flot dans un esquif d'osier aux joncs liés par des nœuds d'oiseleur. Un esquif fabriqué par ma mère elle-même, dont le père était oiseleur. Et la mère ne s'est pas aperçue que son enfant avait disparu? Elle a pris pour le sien l'enfant mort qu'on lui a montré. Il y a des centaines d'enfants qu'on abandonne chaque année. Et beaucoup de gens qui connaissent les nœuds d'oiseleur. En basse Égypte, peut-être, pas à Thèbes. Mais j'ai des preuves plus convaincantes que cela. Apprêtez mon char. Viens avec moi à la vallée des rois au tombeau de mon père. Et tu verras toi-même. Amenhotep III, le grand pharaon, mon père, et le tien. Regarde, le plus grand artiste de Thèbes l'a sculpté. La ressemblance est exacte. Regarde le nez, les pommettes, le front, la ligne du menton. Tu voulais d'autres preuves? Regarde. Voilà ce qui a frappé ma mère quand tu t'es présentée devant le pharaon. Elle a vu ce qu'elle seule était capable de reconnaître. Les traits de son mari quand il avait 20 ans.
Le grand pharaon Amenhotep revivait en toi. Te reste-t-il des doutes maintenant? Laisse-moi seul ici. Tu sais que je t'ai montré la vérité. Oui. Maintenant, je sais que c'est vrai. Mais est-ce qu'Oremeb accepterait ces preuves? Bien sûr que non. Il est trop dévoré par l'ambition. Il s'est beaucoup trop avancé. Il ne peut plus reculer désormais, même s'il le voulait. C'est pour cela qu'il doit être tué avec Akhnaton. Tu tiens l'Égypte dans ta main, mon frère. Et la puissance d'un dieu est à toi si tu as le courage de t'en emparer. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'y a-t-il? Oremeb a commencé sa guerre sainte. Tous les adeptes de la religion du pharaon sont condamnés à mourir. Un massacre? Que nous importe. Laisse Oremeb préparer le terrain pour nous. Quand le pharaon sera mort et que nous régnerons, nous vivrons débarrassés de ces fanatiques. Lâche les chevaux! Où est ta mère? On a été séparés. Capta, écoute, tu vas l'emmener jusqu'au port. Tiens, prends cette bourse et ses bijoux. Trouve un bateau, achète-le. Vole-le si tu ne peux l'acheter. Et toi? Je cherche Mérite. Nous viendrons vous retrouver. Mais ne nous attends pas, emmène le petit loin de la ville. Oui. Je veux aller avec toi. Non, tu pars avec Capta, mon fils. Dépêche-toi. Viens. Vas-y. Et à toi? Je n'ai jamais vu cette babiole de ma vie. Tu mens! Je t'ai vu l'acheter! Voyons, sois raisonnable, capitaine. Trouves-tu que j'ai l'air d'un adepte de ce maudit haton? Les saints peuvent y croire, pas moi. Il n'y a pas plus vaut rien que moi dans toutes les îles. Est-ce que c'est à croire? Capitaine, tu as une figure honnête et intelligente. J'ai toujours collaboré avec les soldats. J'ai été soldat moi-même. En fait, j'ai donné mon œil à ma patrie. Eh bien, si c'est tout, je... Tue-le! Ah! Crois-tu pour 1000 crimes, mais pas pour un que je n'ai jamais commis? C'est les dieux! Et ils me le rendent bien. Oh, prenez tout ce que j'ai alors, ceci et ça. De l'or, de l'argent, tout ce que je possède. Toute une vie de travail. Vous avez fait un mendiant de moi et je vais mourir de faim aussi longtemps que je vivrai. Allez, va-t'en! Viens vite. Que pouvez-vous payer? Oui, que pouvez-vous payer? Oui, donnez-moi vos bijoux. Montez à bord, il y a ceux qui peuvent payer qui me le prennent.
Donnez-moi vos bijoux. Donnez-moi ma porte. Et ceux qui peuvent payer, qui peuvent prendre la porte. Captain, comment va-t-on payer? Tu as tout donné aux soldats. Pas tout à fait tout. Tu n'as pas payé, toi? Ah bon, ça va. Montez, allons, dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Eh bien, pas ici. Laissez passer ceux qui embarquent. Les économies de toute une vie malhonnête. Allez bien. Montez à bord. Montez ce que vous avez. Pardon, pardon. Que peux-tu payer? Je te donne ce rubis, l'enfant ne prend pas beaucoup de place. D'accord. Laissez passer, on n'embarque pas sans avoir payé. Dépêchons-nous. Là, assieds-toi. Ah. Bien. Laissez passer. J'ai bien peur qu'à mon âge, et en toute innocence, je sois devenu subitement père. Jetez ceux qui sont vivants en prison. Je veux qu'on démolisse ce temple et qu'il n'en reste rien. Oui, commandant. Archer, suivez-moi. Je regrette, mon ami, c'était nécessaire. Ce n'est pas toi qui l'as tué, mais ce malheureux fou dans son palais. Lui et son dieu, Aton. Elle est morte parce qu'elle croyait en ce dieu. Est-il encore vivant? Oui, il est au palais. Alors retourne au palais, je t'y retrouverai avant l'aube. Comment vas-tu lui faire boire? Dans une coupe de vin, quand nous trinquons tous ensemble. Moi aussi? Nous sommes liés, toi et moi, dans cette affaire, Oranmeb.
comme nous le fûmes toujours depuis notre plus tendre enfance. Ce que nous faisons étant pour le bien de l'Égypte, tu devrais être honoré d'y jouer un rôle personnel. Va donc voir s'il est éveillé. Arrange-nous une audience. Ne t'inquiète pas, le nécessaire sera mis dans la coupe du pharaon. Ainsi, tu es revenu à la raison. Pourquoi m'as-tu laissé là-bas dans la rue? Où es-tu allé? Enterrer un rêve. Maintenant, il est mort et oublié. Pour le pharaon. Pour Horemheb. Pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Horemheb n'est pas fou. Comment pourrais-je le persuader de boire si je ne bois pas? Mais tu mourras. Je suis médecin. Cette huile empêchera le poison d'agir jusqu'à ce que je revienne ici boire cet émétique. Mais si ton plan échoue? Alors je mourrai de toute façon. Fais attention, mon frère. N'oublie pas que je t'attends. Ne faisons pas semblant de croire que notre marché a un autre but que le pouvoir. Je ne pense pas qu'on puisse te reprocher ta perversité. Ce n'est pas ta faute si l'on a torturé ton âme comme on torture un arbre qu'on oblige à fleurir sans jamais donner de fruits. Ce que tu es, les autres en sont responsables. Moi, j'ai forgé ma bassesse moi-même et je ne sais que trop ce que je vaux. Il faut que tu partes. Sinoué, ouvre-moi. Pourquoi t'enfermes-tu? Parce que je n'étais pas sûr que ce serait toi qui viendrais. Tu as tout arrangé? Il est dans la grande salle où il prie pour son Dieu. Quelle coupe est la sienne? La coupe qu'il prendra. Bienvenue, mes amis. Nous venons en amis, en effet, car nous t'aimons tous les deux. Je sais. Nous parlions du jour où nous nous sommes vus pour la première fois dans le désert. Oui, le soleil se levait. J'espérais que ce jour serait une aube pour le monde. Mais tu as tué un lion et son sang s'est répandu dans le sable. On combat la force par la force. Bois, Akhnaton, à nos souvenirs. M'invites-tu à boire aussi, Sinoué? Oui. Est-ce que j'ai bu la mort, Sinoué? Oui, Akhnaton. Qu'il en soit ainsi. Et c'est ma faute. Tu m'as donné ce que je demandais, mais j'ai eu tort de le demander.
J'ai été faible. J'ai cru que mon Dieu m'abandonnait. Mais c'était faux, Sinoué. Autant que votre espoir de l'avoir tué. Orémeb essaye de l'abattre en détruisant ses temples. Mais la maison de Dieu, c'est la création. Détruisez les montagnes. Videz l'océan. Éteignez les étoiles dans le ciel. Et Dieu sera toujours là. Tout m'est très clair maintenant. Je croyais que Dieu était le soleil. Et j'avais fait son image. Mais Dieu est plus. Bien plus. Le soleil n'est que le symbole de sa chaleur, de sa puissance créative. Ce n'est pas une idole, une chose tangible, mais le créateur de toutes choses. L'amour et la bonté qui vivent dans tous nos cœurs. Il m'a rendu le plus heureux des hommes en me permettant de le comprendre enfin. Reste près de moi, Sinoué, mon ami. Je ne te vois plus très bien, mais je ne souffre pas. Tu ne souffriras pas, Akhenaton. Ma mort est sans importance. Devant la splendeur des choses à venir, je ne fus qu'une ombre. La voix de l'être suprême. Mais il y aura d'autres voix, plus claires que la mienne. Parce que le cœur des hommes ne sera pas toujours désavoué. Dieu est en nous tous. Et un jour, quand le moment sera venu, il parlera. Et tout le monde pourra comprendre ses paroles. Les autres m'ont menti, Sinoué. Mais toi, tu m'as aimé vraiment. Dieu est miséricordieux, Sinoué. Il te pardonne. Le pauvre. Il est resté fou jusqu'au bout. Demain, je ferai un sacrifice au Dieu pour lui. Ils ne peuvent rien me refuser maintenant. Car je suis un dieu, moi aussi. Je suis l'Égypte. Ta coupe, Sinoé. Bois avec moi. Bois au commencement de la nouvelle Égypte. Orémeb, jette ce vin. Ou tu ne seras pas l'Égypte, ni rien du tout. Tu as osé. Mets la couronne et va chez la princesse. Elle sera assez surprise car ce n'est pas toi qu'elle compte voir. Mais tu peux la persuader et te rendre divin. Tu as osé! Tu es le pharaon dont a besoin l'Égypte. Ce n'est pas pour ça que je t'ai épargné. Ne me remercie pas pour ta vie. Remercie ce pauvre fou. Il nous a sauvés, toi et moi. Il m'a sauvé? Es-tu fou aussi? Je suis le pharaon! Thank you.
Face contre terre. Face contre terre devant le Dieu vivant. Commandant des armées que tu as défaites, implore la pitié du pharaon. Je m'occuperai d'eux plus tard. Fais d'abord venir le médecin. À genoux. Qu'il reste debout. De quoi cet homme est-il inculpé? Il a parlé publiquement contre le pharaon. Il a amoindri les victoires du pharaon en Syrie et dans les pays hittites. Il a blasphémé contre les dieux et commis des actes de haute trahison innombrables. Un jour, nous nous tenions devant ce trône et tu pris la parole pour me défendre. Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille défendre cet homme? Toi, mon épouse bien-aimée? Non. Il faudra donc que tu te défendes toi-même. Je ne parlerai pas pour moi, mais pour celui dont tu essaies d'effacer jusqu'à la mémoire, pour celui dont tu veux détruire le nom, pour Akhnaton. Tu me jettes ta trahison en pleine figure? Ce nom est défendu. Attention, médecin. Ou je peux. Tu peux. Fais ce que tu peux. Tu peux faire la guerre et revenir vainqueur. Tu peux conquérir. Sans savoir que c'est une défaite. Tu peux même faire mourir l'Égypte sur ses victoires. Nous vivons dans le crépuscule de notre monde, Horemheb. Et tu seras le soleil couchant. Les nations s'élèvent puis s'effondrent. Les rois peuvent bâtir de puissants monuments, ils retombent en poussière. Et la gloire fuit comme une ombre. Car dans toutes ces choses-là, la mort a son germe. Seule la pensée peut vivre. Seule une grande vérité peut grandir et fleurir, car rien au monde ne peut la tuer. Elle passe, en secret, du cœur d'un homme dans celui d'un autre. Elle est donnée à l'enfant par le lait maternel. Essaierais-tu de me dire que tu veux lutter contre moi? Oh, tu vaincras là aussi. Car si tu ne me réduisais pas au silence, tu sais ce que je ferais. Et que ferais-tu, médecin? J'irai au milieu de ton peuple. Et j'essaierai de répondre aux questions qui pèsent sur son cœur. Les questions que je me suis posées toute ma vie moi-même, partout où j'ai voyagé dans le monde, et dont je n'ai eu enfin la réponse que par un mourant. Je porterai des habits d'esclave, je marcherai dans la rue nu-pied. Je parlerai aux femmes qui font frire leurs poissons devant leur hutte de boue auprès du fleuve, et aux porteurs sur les quais, et aux forgerons à leurs soufflets, et aux esclaves sous le joug. Je leur dirai: on ne juge pas un homme d'après la couleur de sa peau ni la langue qu'il parle, d'après ses vêtements, ses bijoux ou ses triomphes, mais seulement d'après son cœur. Un homme bon est meilleur qu'un homme mauvais. La justice est meilleure que l'injustice. Celui qui a pitié est supérieur à celui qui use de la violence, même si ce dernier s'appelle le pharaon et s'est fait lui-même maître de la terre. Nous n'avons qu'un seul maître. Le Dieu qui nous créa tous. Seule sa vérité est immortelle. Et il a voulu que les hommes soient tous égaux. Aucun homme n'est solitaire. La sentence. Exil pour la vie. Thank you.
J'ai passé ma vie à apprendre. Et voilà tout ce que j'ai appris. J'ai écrit ceci pour toi, mon fils, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et pour tes enfants, et les enfants de tes enfants. C'est un bien pauvre héritage, mais c'est tout ce que je possède. Thank you.